19 avril. Ensuite, pour gagner le 23 mars, nous avons face à face Messi Ronaldo dans le cadre Liga. Femme dit auditeur de Monsieur Sao, de joueurs Sao, une remè tweet l'autre. Une voix remet voix tweet by l'autre pour by y en a par l'autre défi donc y en dit bon on parle Carlo mais patient pour monde qui quantité goal on parle by etc donc c'est bien ça monsieur mettez sous Twitter donc un pile monde qui a suivi à prôner comment y chauffer à comment y préparer au match ensuite bonne nouvelle pour pays Colombie pour Monaco tout puisque colombien Ramadel Falcao attaquant patenté ça qui était blessé dans le genou et bien monsieur recommencer réhabilitation physique après opération la réussi et grand pile espoir sur Ramadel Falcao pour pays Colombie nous connaît qui est qualifié pour Coupe du monde là et puis nouvelle toujours sur Coupe du monde là bien FIFA a publié jeudi à classement mensuel là donc pas un changement dans trio de tête là côté Espagne toujours numéro 1 mondial les amis il faut le faire ça fait plusieurs années que l'Espagne a dominé le football mondial là et puis en deuxième position on a l'Argentine Portugal qui qualifié pour mondial là les monte en quatrième position devant la Colombie qui est en place nous avons Suisse Uruguay Italie Brésil qui est 8e la Hollande eh bien formé tableau 10 premiers organisateur mondial Brésil en 9e position nous étions 8e et 9e États-Unis 13e Haïti pas fait un pas et puisque toujours été en 79e position de El Salvador avec Trinidad et devant Jamaïque à Cuba République Dominicaine bon départ lice 11 et faut dire que gros événement basket qui va le dérouler aux États-Unis à partir de soir mes amis c'est NBA basketball américain son week-end de rêve nous a dit en fait attention parce que il y a une tempête neige boy c'est des match à Cabrialis oui puisque c'est un indoor c'est un dans salle dans la Nouvelle-Orléans surtout dans Nouvelle-Orléans que les festivités vont faire à soir a gagné concours ça a les donc là qui n'est qui remet jeu basket yo bourré au dans panier côté bourré dans panier et bien n'a gagné jeune disons vedette yo tant que Damien Lillard Paul George et John Wall qui a joué dans Wizards Paul George dans Indiana Pacers Lillard qui a joué dans Portland Trail Blazers c'est non ça yo qui figurait pour concours donc là soir et puis fanatique Wall gagne chance ouais tout gros donc qui était passé à partir de 1976 côté de Barry Dr. J Julius Erving n'a pas tout Michael Jordan Dominic Wilkins Clyde Drexler des nèg qui ont participé dans le concours donc il y a un match donc demain on va venir avec vous pour auditeur liste complet All Star puisque la fête des fausses bon moi on bouche tout à pour décider non non mon gars fait donc faut entrer dans pile OK donc à demain pour plus d'informations dans le prochain journal La Voix d'Amérique. Voilà, c'est le sport sur La Voix d'Amérique avec Jean-Pierre Le Roy. On va le passer dans le dossier santé avec Marie-Louise Pierre. Maladie cardiovasculaire, c'est une série de troubles qui affectent le cœur et le vaisseau sanguin. La principale cause de maladie cardiovasculaire, c'est tabac, manque d'exercice physique, mauvaise alimentation. D'après l'Organisation mondiale de la santé, plus passé 80% dans cas maladie cardiovasculaire, c'est une série maladie au cas évité. Qui genre? Une alimentation saine, exercice, et puis, rester loin tabac. Chaque année, gagne 17 300 000 moun qui victimes de maladies cardiovasculaires. Julia, nous pas centrer sous crise cardiaque avec docteur Virginie Louis, cap dino qui ça qui provoquait une crise cardiaque. Bon, crise cardiaque là, gagne en pile cause. Premièrement, le plus souvent, c'est là où il y a un infarctus du myocarde, donc le cœur n'a pas vascularisé. Donc, ou bien il y a des gens qui ont une plaque, ça veut dire des athéosclérose dans le sang, ça veut dire que le cœur, un vaisseau, c'est artère coronaire qui est supposé porter sang. Il y a des plaques là-dedans, des dépôts graisseux qui font des dépôts graisseux, donc les gens qui mangent mal, qui ont un pile cholestérol, les gens qui ont un diabète, etc. Comme si là, comme c'est une insuffisance coronaire, donc des progrès de ça, qui fait non artério, empêcher que le cœur a bien vascularisé, que sans arriver dans le cœur normalement. Et après ça, il y a l'autre cause, l'autre facteur qui est susceptible de mon problème, c'est les crises cardiaques là, c'est de monde qui ont mauvaise enfin, façon de vivre, donc les facteurs de risque qu'on a gagné, tant que monde qui a fumé en pile. Mon qui est obèse, mon qui a hypertension artérielle, mon qui a diabète, mon qui apprend par exemple des contraceptifs oraux, mon qui vit de façon sédentaire, mais mon qui a fille, mon qui est stressé tout, capable d'avoir un problème manifestation ça. Mais que de monde qui peut faire crise cardiaque sans que pas gain antécédent ça vraiment. Mais que des facteurs qui favorisent crise là. Le monde fait une crise cardiaque souvent maladie ça quitter avec en pile complications. Docteur Louis a expliqué.
normalement gain de complications que mon nom capable gain après crise cardiaque là. Par exemple, on connaît que cœur à lui-même il a subi un gros traumatisme. Donc mon ça lui-même gain de gros efforts que le pas ta fait. Gain de monde qui par exemple le fin font crise cardiaque gain gladeur qui pas capable font série de efforts physiques. Par exemple, transport ou mon ça le plus souvent il pas capable conduire parce que il est capable de faire crise là encore. Donc c'est bail qui va faire progressivement. Et peut-être que mon nom capable de faire un AVC tout, qui capable d'aider des séquelles au point de vue dans le corps mon ça, capable de déficit tout. Qu'est-ce que tu as capable d'aider un AVC, même mon ça capable de déficit dans le corps après. Ça dépend de qui cause qui te baille, qu'est-ce que tu as quand ça tout lui recommandé pour moun qui fait hypertension yo, yo doit prendre en pile précaution parce que yo classé sous liste moun qui gagne gros risque, ça veut dire yo capable victime crise cardiaque plus facile. Moun qui fait hypertension artérielle, ça nous les tension, c'est moun qui capable victime de crise cardiaque. Ça qui est important pour moun sa yo, c'est suivre traitement yo, c'est alkay docteur pour docteur kabayo médicament pour maladie tension, c'est pour suivre diète yo tout, c'est diète qui sans sel, qui pas grand pile sel, c'est pour moun sa fait exercice physique modéré et l'essentiel tout c'est pour toujours prendre médicament, c'est pas négliger médicament pour tension. En pile moun qui sous stress, qui prend une mauvaise nouvelle, qui sous gros émotion, moun sa yo tout docteur Virginie Louis a dit qui raison qui fait gros émotion sa yo qu'a débouché sur une crise cardiaque. Bon, c'est un fort stress qui dégage en pile hormone dans corps moun nan. Qui fait que moun sa l'elle réagit, donc li mal réagit par rapport à stress que li recevoir. Donc il y a pile de choses qui fait nan koli. Bon, cœur a pas capable supporter encore, si le cas dans le langage ça, et cœur a lui-même li vin pas capable réagir, donc li bloqué, et c'est ça qui fait que moun sa li gen un arrêt cardiaque. Donc son fort stress, son fort émotion. Docteur Virginia Louis, t'es parlé dans mes co-collaborateurs, nous, Jacqueline Bélizère. Mes amis, pas oublier, vous qu'à vous questions sur santé ou yobanou, sous mlpierre@commercial.voanews.com. Merci beaucoup, Marlis Pierre. Je suis la voix de l'Amérique. Puis maintenant, créé en Haïtien depuis Washington DC. Qu'on y en a pas passé dans la page de la vie américaine avec Jean-Aubert Philippe. Non, pas la vie ici aux États-Unis. Je dis, nous allons parler de mois février, un mois qui est dédié pour l'histoire noire. Et au moment côté nous un hommage pour mon avec événement qui est d'échanger histoire noire américaine. Et au moment clé dans l'histoire noire aux États-Unis, arrivé ça qui s'est passé un demi-siècle. Les quatre étudiants noirs université dans Caroline du Nord et Chita sur une table dans un restaurant qui était réservé seulement pour clients blancs. Action étudiant sa yo te relancé mouvement droit civique là ici aux États-Unis ensemble avec lit plusieurs millions noirs américains pour gagner égalité raciale avec justice pour tout le monde. En 1960, Joseph McNeil avec trois autres jeunes étudiants noirs américains te chita sur une table dans un restaurant dans magasin Woolworth là dans Greensboro dans Caroline du Nord. Un espace qui était réservé seulement pour clients blancs. In our hearts, we all thought that racial segregation and nan kè nou nou te konsidere ta kon yon mal tout form segregasyon. Vwa nou tap tande la, se vwa Joseph McNeil ki te parmi 4 jen etudyan, sa yo ki pat vle abandonne restoran, tout otan yo pat servi yo manche, menm kote avèk blan yo. Jibril Kazan, yon lot etudyan, se te yon lot mam ekip yo te rele nan epok la Greensboro Four ou bien ankor 4-6 M. Greensboro yo ki rappele konversasyon li te genye avèk employe blan ki tap servi client blanc yo ça gagne plus passé un demi siècle. What do you boys want? And we say we like to be served please very politely. Ça veut dire demander nous qui ça nous besoin là ti monsieur. Et nous te répondre pour nous dire li nous ta aimé yo servi manger gentiment même gens nous servi blanc yo. Et li te répond nous pas connait ici là nous pas servi ti nèg noué. Sou besoin manger gagne un l'autre table l'autre bois qui réservé pour mon noir yo seulement. Plus étudiants continuent à participer dans la forme protestation pacifique là, côté chaque jour, ils viennent chita dans le restaurant pour acheter manger. Action ça a joué un rôle moteur dans le mouvement droit civique là aux États-Unis, dans l'intégration noire pour manger dans le même restaurant avec blanc. McNeil avec Kazan, deux mondes qui sont toujours vivants pour raconter histoire, te retourné dans le placement restaurant qui je dis, c'est une mise histoire droit civique américain.
McNeil dit misère représente un gros symbole. Let us not forget the suffering and the sacrifice that made it. Mais ça permet nous pas oublier souffrance avec sacrifice qui est possible pour nous tous vienne plus bon américain pour nous traiter l'un l'autre avec respect. Et si mes droits civiques ça conserver objectif ça eh bien l'a servi objectif notoriété pour lui. Protestation pacifique février 1960 là qui était déroulée en dedans restaurant te représenté une autre forme protestation dans mouvement droit civique là qui jusqu'à époque ça lutte pour égalité a été conduite seulement dans tribunal. Après 4 mois protestation avec $200,000 déficit restaurant dans magasin Woolworth là était d'accord pour permettre noir de manger même côté avec blanc yo. McNeil dit mouvement protestation ça pas représenté une partie dans histoire noir yo mais il voulait dire plus toujours. Well, I'm not just a part of black history. I'm a part of American history. And American moi fait partie histoire États-Unis sans avec influence États-Unis gagné dans histoire mondiale là. Ça qui passe aujourd'hui a probablement gagné plus pour l'ouer probablement avec ça qui était passé dans les années 60 yo et même avant époque ça. Donc, il est bon pour faire partie moment ça et pour camper bon côté la justice. Je dis à histoire manifestation pacifique là, côté participant, yo, chita en place, on l'est pour y apsikele, continue à exister grâce à mes droits civiques là, qui consacré pour encourager une meilleure compréhension dans l'île pour égalité sociale sur planète là. Joseph McNeil, quoi, plus de bagages doit faire toujours pour surmonter barrière raciale, yo. C'était pas de la vie ici aux États-Unis. Je dis à nous t'ai parlé de première manifestation pacifique. 4 étudiants noirs américains étaient faits dans un restaurant magasin Woolworth là pour forcer les responsables à accepter noir de manger. Même côté avec blanc. Yo. Moi, c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe pour toujours sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington dans le créole là. Eh bien, on a gagné qu'on y a page science et histoire avec Lionel Desmarat. L'un jeter un coup d'œil sur l'histoire pour nous connaître qui côté a fait hymne national la sortie. Depuis combien de temps pratique ça existait parmi les hommes, nous, l'homme t'a commencé à adopter habitude ça dans l'année 1603. Et premier pays qui t'est venu avec l'idée hymne national là, c'était la Suisse, côté où t'es chanté un hymne national pour la première fois dans l'année cité à qui donc en 1603. Environ 140 ans après, puis précisément en l'an 1740, poète anglais James Thomson, avec compatriote Lee, compositeur T.A. Horn, t'apprêl vini avec une composition créée The Rule Britannia. C'est un extrait où te prend, dans un opéra Mr. Horn te composé et qui te relé Alfred tout simplement. The Rule Britannia t'apprêl disparaît 3 ans plus tard, soit en 1743, pour te quitter place là pour hymne national britannique qui existait juste journée jeudi. N'a parlé de hymne qui relait God Save the King ou bientôt God Save the Queen. En 1797, l'Autriche pral choisi comme hymne national li, une mélodie Joseph Haydn décomposée. Et en 1919, autorité responsable dans la République allemande, t'apprêl ma connelli, ak parole yon poème patriotique que Hanwolf von Fallersleben t'a écrit en 1841 pour te faire tourner hymne national pays yo. C'est en 1797 tout que général Wybicki t'a écrit hymne national polonais, tandis que en 1814, Tchaïkovski t'apprêl composer musique qui servit comme hymne national la Russie et qui relait l'hymne impérial russe. 6 ans après, en 1820, c'était tout pas Spontini pour te mettre en musique parole d'un poème qui te gagne comme titre Wo ist das Volk et qui t'apprend à servir comme nouveau hymne national tout territoire qui était en bas régime impérial la Prusse là. Pendant ça, un pile historien considéré comme deuxième guerre indépendance les États-Unis en parlant de la guerre 1812 là, révolutionnaire Francis Scott Key t'es composé une musique qui relève des Star Spangled Banner ou la bannière étoilée qui t'apprend à tourner officiellement hymne national des États-Unis, même si c'est juste en 1931 Congrès a t'apprend à voter pour Bali titre spécial ça. En 1830, la Belgique indépendante t'a adopté la Brabanson, composition du musicien qui t'a relé Van Kampenhout
avec parole.